La grâce et la paix nous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. On se demandait à midi, autour de la table, pendant le déjeuner, à quoi sert le culte ? Puisque mes trois fils disaient, mais on va au culte ce soir encore ? Et vous remarquerez qu'elles ne sont pas là. Et alors, à quoi sert le culte ? Alors, l'aîné a répondu, ça sert à apprendre des choses. Une réponse d'aîné. La deuxième a dit, mais c'est pour prier. Et la troisième a dit, c'est pour se voir. Alors je vous pose la question, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs réponses possibles. Et je pense que toutes sont bonnes. Pourquoi êtes-vous venu ce soir ? À chacune et à chacun de trouver une réponse personnelle et peut-être de se laisser interpeller par une autre réponse que la sienne. Moi, je dirais que nous sommes réunis ce soir pour mettre cette heure à part dans notre vie, dans notre semaine. Pas tous les jours, pas toutes les heures, mais celle-là. Nous la mettons à part pour faire le point sur notre vie et sur notre relation à Dieu, notre relation aux autres. Et cela, nous pouvons le faire grâce à la prière, à la lecture de la Bible et à la rencontre les uns avec les autres. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir dit que tu es un Dieu à qui l'injustice est insupportable. Nous te rendons grâce de nous avoir dit, par exemple, par le prophète Amos, que tu ne pouvais supporter qu'on piétine le faible. Nous te rendons grâce de nous avoir déclaré par Ésaïe que tu attendais des tiens, non pas d'abord qu'ils te prient avec ferveur, mais qu'ils partagent. Qu'ils partagent leur pain, leur temps, leur sourire. Nous te rendons grâce pour Jésus, Jésus de Nazareth, qui t'a été fidèle en réconfortant les malades, les opprimés, et en rappelant sans cesse ton amour pour le genre humain. Nous te rendons grâce parce que nous sommes aujourd'hui celles et ceux par qui tu veux dire aujourd'hui, dans ce monde, ce que jadis ont dit Amos, Michée, Ésaïe et Jésus. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Amen. Et pour ouvrir ce culte ensemble, je vous propose ce cantique que nous allons écouter d'abord peut-être une fois en entier, parce qu'il n'est pas forcément connu de tous. Et je vous invite à vous lever.
qu'il est bon de célébrer notre Dieu par nos chants. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il guérit les personnes qui ont le cœur brisé. C'est lui qui compte le nombre des étoiles. Notre Seigneur est grand, sa force est immense. Le Seigneur aide les humbles à se relever. Chantez votre reconnaissance au Seigneur. C'est lui qui couvre les cieux de nuages. Il s'intéresse à ceux qui le reconnaissent comme Dieu, à ceux qui comptent sur sa bonté. Et je vous invite à vous rasseoir pour vous unir tous ensemble dans cette prière qui nous permet de dire nos limites. Seigneur, nous paraissons devant toi ce soir, entre le désir de confesser que nous ne sommes pas tels que tu nous veux et le besoin humain de ne pas nous sentir écrasés par nos fautes, tiraillés entre la liberté de te dire notre imperfection et cette envie de liberté que toi seul peux nous offrir. Alors ce soir, en quelques phrases, en quelques mots, devant toi, nous te prions de nous accepter avec nos forces et nos faiblesses. Grave en nos cœurs l'exigence de ta parole, rends-nous attentifs à sa pratique, afin que, remis debout par toi, nous puissions être des témoins de ta grandeur. Amen. Ne laissons pas mourir la terre. Thank you.
Restons debout pour entendre cette parole de grâce prononcée par un Dieu qui entend notre prière et qui veut l'exaucer. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Veille et prie et sois fervent. Essayons pour nous mettre à l'écoute de la Bible. Et avant que de lire la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, ce n'est pas pour trouver grâce à tes yeux que nous écoutons ta parole, car tu nous as déjà trouvés et tu nous as déjà tout donné. Si nous écoutons ta parole, c'est parce qu'elle fait vivre, c'est parce qu'elle délivre, c'est parce qu'elle console. Elle est le pain de notre route, la paix dans nos tourments, la force de nos jours. Envoie maintenant ton esprit sur nous pour qu'il dessine nos yeux et façonne nos oreilles, pour qu'il emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, pour qu'il inscrive ta parole au plus profond de nous-mêmes et qu'il nous accompagne sur nos chemins. Amen. Donc la lecture d'aujourd'hui est dans Genèse 41, verset 53 à 42, verset 7. En Égypte, les 7 années d'abondance prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de famine, comme Joseph l'avait annoncé. La famine s'étendit à tous les pays, mais en Égypte, il y avait des réserves de vivres. Quand les Égyptiens commencèrent à souffrir de la faim, ils réclamèrent au Pharaon de quoi manger. Celui-ci répondit à l'ensemble de la population : « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine devint générale dans les pays. Joseph fit alors ouvrir les entrepôts et vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine s'aggrava encore en Égypte. On y vendait aussi de tous les pays pour acheter des blés à Joseph, car la famine sévissait durement partout. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il dit alors à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres ? J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Allez nous en acheter afin que nous puissions survivre.
nous ne tenons pas à mourir. » Alors, les 10 frères aînés de Joseph se rendirent en Égypte pour y acheter du blé. Jacob n'avait pas laissé partir Benjamin avec eux, le plus jeune des frères de Joseph. Il disait en effet, « J'ai peur qu'un malheur lui arrive. » Les fils de Jacob parvinrent en Égypte en même temps que d'autres acheteurs de blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s'incliner devant lui, visage contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il ne se fit pas reconnaître d'eux. Il leur demandait avec dureté, « D'où venez-vous ?»« Du pays de Canaan, répondirent-ils, nous désirons acheter des vivres. » Et nous nous levons pour le prochain cantique, « Ô parle-moi Seigneur ». Et je lis également juste la fin de la parabole racontée par Jésus dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Après un temps de sidération, face à la vitesse avec laquelle les talibans ont repris les places fortes du pays, la gravité de la situation en Afghanistan et les images terribles que tout le monde a pu voir, notamment
d'hommes, de femmes et d'enfants tentant par tous les moyens d'embarquer sur un des rares avions pouvant quitter Kaboul, amène les responsables politiques à se prononcer sur ce qu'il est convenu de nommer une tragédie. Et le président de la République, en déclarant dans son allocution télévisée « Nous devons anticiper et nous devons nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants », a suscité une polémique. Et nous sommes en tant que chrétiens placés face à nos responsabilités. Or, comme je l'écrivais dans l'édito de cette semaine, on ne peut pas comprendre l'enseignement de la Bible sur les étrangers, sur la figure de l'étranger, sans connaître l'histoire de Joseph et de ses frères qui subissent la famine de plein fouet et se voient contraints de se tourner vers la grande puissance voisine qu'est l'Égypte. Dès lors, l'expérience de l'exil va devenir, dans l'inconscient collectif du peuple hébreu, un marqueur identitaire, au point de servir de repère éthique notamment, qui revient comme un leitmotiv à plusieurs reprises dans différents livres de la Bible. Dans le Lévitique, par exemple, nous pouvons lire « Si un immigré vient séjourner chez vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous le traiterez comme un autochtone. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des immigrés en Égypte. » Et ce rappel revient également dans le livre de l'Exode ou dans le livre du Deutéronome, comme si il fallait surtout ne pas l'oublier. Il y a donc des commandements bibliques. Il y a également, nous venons de l'entendre, des paroles du Christ. Mais peut-être serait-il un peu trop facile de brandir la Bible comme un visa théologique qui nous permettrait de passer la frontière du politiquement correct sur ces questions, pour ne plus voir dans le visage de l'étranger que le visage du Christ, rejeté de tous. Si louable soit cette position, elle a peut-être quelque chose de pervers, en ne rendant justice ni au texte, ni à l'étranger, qui tous deux se verraient alors avec une identité épuisée, résumée à un essentiel forcément réducteur. En effet, si on envisageait de voir les étrangers qu'à travers cette image, alors l'étranger ne serait plus qu'un étranger, qui ne se définirait pour nous que par son étrangeté. Et celles et ceux qui parmi vous font l'expérience ou ont déjà fait l'expérience d'être étrangers savent combien cela peut être agréable de se voir remarqué dans sa spécificité, mais combien surtout au bout d'un certain temps, cela peut être désagréable, voire humiliant. Et le texte biblique ne serait plus alors qu'une injonction morale, une injonction sans fin, qu'il nous faudrait relire et répéter à chaque fois que nous sommes confrontés à la question de l'étranger. Il existe au moins deux autres manières de lire ce texte. Et je vous les propose ce soir. D'abord comme un texte qui ne nous est pas adressé. C'est la première chose. Ce texte ne nous est pas directement adressé. J'en dirai un mot dans un instant. Et ensuite, comme une histoire, comme une grande histoire, qu'il faut que nous arrivions à nous raconter pour la comprendre si l'on veut réussir à vivre ensemble. Un texte qui ne nous est pas adressé, donc, car comment depuis notre monde paisible, notre sécurité, notre confort, pouvons-nous véritablement nous souvenir que la Bible est d'abord et avant tout un texte écrit par des réfugiés, pour des réfugiés? Ce n'est plus une évidence depuis longtemps, pour nous qui l'avons fait nôtre,
qui le faisons nôtre, parfois un peu trop rapidement, et qui le lisons à l'aune de notre propre culture, de notre propre situation. Il est écrit ce texte par des gens qui font réellement l'expérience de l'oppression, de l'errance et des persécutions. Ce qui veut dire, il faut le rappeler, qu'il n'est pas écrit pour nous qui sommes confortablement installés sur nos terres et qui pouvons décider qui mérite d'être un bon étranger et qui ne mérite pas ce statut. Et vous comprenez alors que le texte tel qu'il se présente sous cet angle n'est plus d'abord une injonction morale pour celui qui a le luxe de choisir si d'abord il acceptera que ce texte soit une référence pour lui. Car beaucoup de gens aujourd'hui ont la liberté de dire « mais vous êtes bien gentils, vous les chrétiens, mais votre texte, moi, j'en ai rien à faire. » Ou alors une injonction morale pour celui qui aura le luxe de choisir s'il acceptera d'accueillir ou non, puisque, en fait, ce texte s'adresse à la victime. Plus qu'un appel éthique à l'oppresseur, il se fait promesse de justice pour celui qui est opprimé. Traiter le texte avec respect, que l'on cherche à y discerner la parole de Dieu ou pas, passe donc par le refus de n'en faire qu'un appel à la charité. Ce vers quoi nous le renvoyons parfois avec un certain mépris. Ah ben oui, les églises sont dans leur rôle. Ben oui, les pasteurs, ben oui, vous êtes payés pour ça, hein, donc continuez, c'est bien. Voilà. Non, il est bien plus que cela. Il est une parole qui console et qui donne de l'espoir quand tout semble perdu. Ce que peut-être, de manière collective, nous n'arrivons tout simplement pas à percevoir. Car dans la tragédie qui se joue, pourtant sous nos yeux, qui se vit actuellement, eh bien nous ne sommes pas celles et ceux qui devons être consolés. C'est ainsi que le lisent des chrétiens qui aujourd'hui doivent fuir leur pays devant la violence des conflits. Vous avez peut-être lu, comme moi, cet article étonnant du dernier juif d'Afghanistan. Il reste un juif en Afghanistan et il a refusé de partir. C'est comme ça que le lisent des chrétiens, mais aussi des gens qui ne le connaissent pas, ce texte biblique, et qui le découvre en arrivant à Berlin, à Paris ou à Rome, accueilli dans des églises protestantes ou catholiques, comme un texte plein d'espoir, et qui découvre la notion d'une espérance. Et c'est le second point que je voulais partager avec vous. Il est une chose que les réfugiés possèdent et que beaucoup d'entre nous peuvent leur envier, c'est l'espoir que leur futur soit meilleur, pour eux et pour leurs enfants. Ces réfugiés sont habités par l'espérance que le futur sera meilleur. Et une des tragédies qui est en train de se jouer, au-delà simplement de la tragédie humanitaire, c'est peut-être celle de gens qui sont pleins d'espoir, qui viennent se mêler à des gens qui n'ont pas assez de confiance à partager, qui n'ont pas assez d'espoir eux-mêmes pour oser imaginer pouvoir en donner aux autres. Des gens qui fuient la tyrannie, qui viennent vivre avec des gens qui pensent, vous l'avez remarquez ces dernières semaines, qui pensent vivre sous la tyrannie parce qu'on leur impose, par exemple, de se faire vacciner. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la véritable tyrannie. Et voilà la rencontre qui a lieu entre deux mondes, en somme,
Et un des défis auxquels notre société est confrontée est que l'espérance de ceux qui fuient la peur ne se brise pas sur la rancœur de ceux d'entre nous qui ont perdu l'espoir. Parce qu'en vérité, la capacité d'accueil, qui est bien réelle dans notre pays, il ne faut pas raconter d'histoire, notre capacité d'accueil est immense. Elle dépend de la confiance en soi et de la confiance en l'avenir. Avec tout ce que cette confiance recèle parfois, il est vrai, de mythes, de constructions, de naïveté peut-être, d'utopie. Mais de naïveté et d'utopie qui, le passé le démontre, peuvent être salutaires. Et les chrétiens, alors, ont un rôle à jouer sur ce plan par leurs actes, par leurs discours, mais avant tout par le partage de leur espérance, de leur foi en l'avenir. Quand les gens me demandent « Mais vous croyez au paradis, vous espérez quoi ? C'est quoi le projet chrétien, c'est quoi ?» Non. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi pour l'au-delà. Ce n'est pas la foi du futur mort que je suis. C'est une foi des vivants. C'est une foi pour notre avenir commun. Les contempteurs de la Bible et de la foi chrétienne rabaissent souvent la pertinence des textes en prétextant qu'il ne s'agit que de belles histoires, de contes que l'on se transmet. Je ne les contredis pas. Au contraire, je les encourage à creuser cette idée sérieusement, à prendre cette idée au sérieux. Chiche. Oui, ce sont des histoires qui, si nous les racontons correctement, et si nous arrivons à en percevoir le sens et la puissance, ont un pouvoir extraordinaire. Et je trouve intéressant que parmi les penseurs, les philosophes interrogés sur la crise migratoire, soit pointée par plusieurs la nécessité, voire l'urgence, de construire une solidarité qui ne soit pas basée sur des appels humanitaires. Vite, faites un don au 06, comme une injonction morale, qui était cette manière de lire le texte biblique, ni sur une empathie émotionnelle, mais sur une histoire, une véritable narration qui soit assez charpentée, assez puissante pour tracer une perspective qui parle au plus grand nombre, sans laisser pour compte les plus démunis, qui ont du mal à partager une espérance qu'ils n'ont pas pour eux-mêmes. Cette histoire commune qui pourrait parler au plus grand nombre, en n'omettant personne, eh bien la Bible nous en offre un exemple à travers ce joyau littéraire qui est la fresque de Joseph et ses frères. Tout est là sous nos yeux, tout a été travaillé, tout a été sérieusement pensé, chaque mot est à sa place pour pouvoir être transmis de génération en génération. Parce que peut-être que déjà à l'époque, on savait que l'histoire se répète. Une histoire qui permet de relier les uns aux autres. Au moment où notre espace communautaire est une fois de plus menacé par la tentation du repli, le rétablissement des frontières, comme si, comme pour la crise climatique, on pense que les frontières vont nous protéger. Il y a encore des gens qui pensent que les frontières peuvent empêcher les réfugiés de vouloir se réfugier. Ne faisons pas semblant d'ignorer que
Les phénomènes migratoires sont, comme tous les phénomènes écologiques, indifférents à l'administration. Si sévère soit-elle. Et ce soir, à travers l'histoire de Joseph, nous voulons entendre cette exigence éthique, la comprendre, la prendre à notre compte, mais nous voulons aussi la dépasser pour ne pas enfermer le message de la Bible dans un code de loi qui serait facilement alors contestable. Non, nous voulons que cette histoire qui a été écrite par d'autres que nous, pour d'autres que nous, par l'action de l'Esprit, comme nous l'avons chanté et comme nous l'avons prié, puisse devenir une histoire dans laquelle nous sommes partie prenante, dans laquelle nous avons chacune et chacun un rôle à jouer, pas toutes et tous le même rôle, mais assurément un rôle à jouer. Amen.
Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la foi qui nous anime en disant d'une même voix « Je crois que le Seigneur vient à notre rencontre sans relâche pour nous libérer de nos peurs et de nos erreurs. Il nous invite à le suivre, quel que soit notre âge, notre condition, notre passé. Avec lui, nous pouvons écrire notre histoire sous son regard bienveillant. Je crois que son Fils, Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour moi, fait de nous des frères et des sœurs unis et soucieux des plus fragiles. Je crois que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduit dans la solitude ou en communauté pour faire rayonner l'Évangile dans le monde qui attend un message d'espérance. Je crois que Dieu vient à ma rencontre aujourd'hui. Amen. » Et je vous invite à reprendre place pour échanger quelques nouvelles. Un grand merci à Jérôme Mondésert, notre organiste, pour ces morceaux magnifiques. Vous avez vu en arrivant peut-être sur le seuil de l'église le panneau qui indique le festival Strasorg. Donc n'hésitez pas à noter les dates des concerts et à venir dans les jours qui suivent. Est-ce que Vincent ou Pierre, vous nous diriez quelques mots, puisque vous êtes de retour du camp Jura? Oui. Et qu'apparemment, ça s'est bien passé. Oui, donc nous sommes rentrés vendredi soir. Nous étions partis donc, dans le Doubs, à Pierrefontaine-les-Blamont, pendant 11 jours. Nous étions 36 jeunes entre 10 ans et 16 ans. Et 8 animateurs-animatrices. Cette année, c'était Marie-Eva Schmitt qui était directrice et Pierre était l'adjoint. Voilà, voilà. Tout s'est très bien passé. On a toujours la chance ou le bonheur, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire en tous les cas, d'avoir des parents qui nous accompagnent à l'aller, au retour et qui... pour deux d'entre eux, ou trois même, parce que le couple A, c'était là, nous ont accompagnés pour la sortie canoë-kayak. On démarre toujours le camp par des activités denses, fortes, en demande d'énergie, et en rencontre, et en émotion, etc., etc., puisque ça permet de souder un groupe. On a eu la chance d'avoir du beau temps. Nous avons poursuivi après avec 2 jours et demi en bivouac où nous étions répartis en 3 groupes et nous allons dormir chez l'habitant. Et comme tous les camps, comme chaque année, bon, on ne change pas trop les recettes qui fonctionnent bien. Je dirais on fait un petit peu le genre scoutisme, c'est-à-dire que le premier jour, quand on arrive, on met en place une charte. Voilà, comment est-ce qu'on peut vivre à 44 ensemble, sans se prendre la tête tous les jours, et que les choses se passent bien. Et voilà, donc on a mis une charte en place le premier jour, qui parle aussi bien de la manière d'être les uns envers les autres, que de la manière dont on va organiser les repas, les services de vaisselle, de nettoyage. Bon, c'est le temps du Covid encore un petit peu, donc à l'intérieur, ben, il fallait porter des masques, etc. Heureusement, nous étions dans un chalet où on a pu vivre beaucoup à l'extérieur. L'un de nos médecins de la paroisse avait dit qu'on pouvait faire des saouls. Les saouls, c'est un rugby voilà, du scoutisme. Donc on a aussi pu vivre des moments d'intense... activité physique, et je dois dire que, bon, pour avoir fait beaucoup de camps avec le bouclier, ben ce camp s'est très bien déroulé avec une excellente ambiance. Les choses ont été comprises par les jeunes qui étaient disponibles et qui avaient compris l'esprit dès le départ. Donc ben, ils venaient spontanément, sans être inscrits forcément sur un tableau de service, proposer de donner un coup de main pour faire la vaisselle, pour nettoyer, pour
passer le balai, etc. Et donc, c'était que du bonheur. Alors, les parents sont toujours étonnés que ces choses se passent bien, mais je pense que c'est aussi un petit peu, puisqu'ils sont avec des copains-copines, il n'y a rien à prouver à des parents, il n'y a pas besoin d'obéir à des choses, etc. On n'a pas besoin de contester pour grandir. Donc, voilà, c'était que du bonheur. Donc, merci aux paroissiens, merci aux parents, merci à tout le monde pour ces moments d'intense partage que nous vivons chaque année. Voilà. Et je disais en ouvrant ce culte qu'une des raisons, je citais ma fille, mais une des raisons du culte, c'est aussi de se voir. Et donc à la sortie du culte, n'hésitez pas à rester, nous partagerons un moment dans la grande salle, même si vous n'avez rien apporté. Voilà. À la fin de cet été, on se retrouve, on revoit des visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Vous avez peut-être remarqué que nous avons la visite. Tu veux nous dire bonjour ? Tu viens ? Léa ? Léa qui a été volontaire pendant un an au bouclier et qui, voilà, comme de temps en temps, les volontaires, ça montre qu'elles n'ont pas été traumatisées. Ou en tout cas que le traumatisme peut être surmonté. Elles reviennent nous dire bonjour. Donc voilà, elle reste un petit peu, on pourra la saluer. Bienvenue, welcome back. À tout à l'heure. C'est maintenant le moment de l'offrande. Je crois qu'on peut recommencer l'offrande comme on avait l'habitude de le faire quand même. Hein, voilà. Merci. Il y aura un retour sur ce camp, sur le camp dans les Cévennes, lors du culte de rentrée traditionnel. Donc notez déjà peut-être la date, ce sera non pas le premier samedi de septembre, mais le deuxième, c'est-à-dire le 11. Voilà. Culte de rentrée du bouclier le samedi 11 septembre. Et je vous invite à vous unir avec moi dans la prière d'intercession que nous terminerons par le Notre Père. Seigneur, nous te prions pour ces hommes, ces femmes et ces enfants contraints de quitter leur terre. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de la guerre, de la violence. Et nous te confions les victimes de la violence humaine. Nous te prions pour les responsables politiques de notre pays, de l'Europe et du monde, qu'ils cessent de défendre des intérêts particuliers et mettent en place des solutions solidaires et durables. Rends-nous libres pour dépasser nos peurs et notre sentiment d'impuissance. Donne-nous ton esprit pour être à l'initiative, risquer des nouveaux chemins, répondre à l'urgence humanitaire et permets dans cette initiative que ton Église soit un exemple, là où bien souvent elle est elle-même impuissante. Permets que sur le chemin de la miséricorde, sur le chemin de la fraternité, ton peuple
soit en première ligne. Aide-nous à nous laisser toucher par la souffrance. Ouvre nos cœurs pour voir dans celui qui nous est étranger, d'abord et avant tout, une personne à aimer. Et nous te prions de nous donner les mots, les arguments pour convaincre autour de nous que l'avenir n'est possible que dans la fraternité, dans le silence. Nous te remettons les situations et les personnes qui nous tiennent à cœur. Et avec tous nos frères catholiques, orthodoxes, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de bénédiction, cette bénédiction qui nous met debout en nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.